Paul. Ouais. Il est à toi ce bouquin, hein. Hein, fais voir. Ouais. Ah d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que si ce bouquin-là est à toi, ça aussi c'est à toi alors. Bah, c'est que ça? Ah je sais pas. Je sais pas, j'ai trouvé dans ce bouquin, en feuilletant tout à l'heure. Attends, depuis quand tu feuillettes mes bouquins, toi, maintenant? Ah, écoute, Paul, excuse-moi. Oh là, moi, je savais pas qu'il fallait une autorisation spéciale pour feuilleter un bouquin qui traîne dans une chambre, hein. Ça, là. C'est à toi. Ah, oh, les filles d'à côté. Ah. Oui, mais je vois pas pourquoi, moi, j'aurais une photo des filles d'à côté, hein. Non, bah voyons. Moi non plus, je vois pas non plus pourquoi il était dans ce bouquin. Peut-être par l'opération du Saint-Esprit, hein. Non, s'il te plaît, non. Ne blasphème pas, hein. Le Saint-Esprit, c'est sérieux. Oui, et toi, s'il te plaît, Paul, tu changes pas de conversation, hein? Alors, d'où elle vient? Mais je sais pas, moi, peut-être que c'est toi, après tout, qui l'a glissé dans ce bouquin. Moi, attends, s'il te plaît, qu'est-ce que je ferais avec une photo des filles à côté, hein? Eh ben, je sais pas, tu peux fantasmer dessus, par exemple. Ouais, attends, non, s'il te plaît, attends, Paul, que les choses soient claires entre nous, ok? Hein, tu me regardes, là. On a fait un pacte entre nous. Et moi, je suis pas le genre à le trahir. Ah, parce que moi, je suis du genre, c'est ça? T'attends quelqu'un? Non. Bonjour les garçons. Ouais, salut, je pars. Salut Gérard. Non, pas du tout, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je voulais voir Paul parce que Paul, j'ai ce que tu m'as demandé. Ah oui, ça presse pas, ça, Gérard, ça presse pas. Moi, je croyais que c'était urgent, t'es pour ça, t'es... Non, ça peut attendre. Hein. C'était quoi? Non, rien d'important. Je te retrouve en bas à la salle de gym. Hein. Bah, c'est comme tu veux, mais. C'est quoi? Et en tout cas, les tirages sont super. Hein. Si je... Les tirages? Oui. Et parce que c'est des photos. Les photos des filles d'à côté. Non, mais c'est parce que j'ai montré mon album de photos à Papol et puis... Mais il les trouve jolies. Et comme il voulait que je fasse quelques tirages... Donc... Oui, d'accord. Alors, t'as demandé à faire retirer des photos des filles d'à côté, hein, Paul? Non, oui, mais comme ça, c'est juste pour... Regarde, celle-ci, où elles sont en milieu de bain, tu vas voir. C'est sur une autre sublime. D'accord. Merci, Gérard. C'est gentil. Mais attends, c'est parce que ça, c'est assez pour Paul. Oui, mais Paul ou moi, c'est la même chose, pas vrai? Ok, alors, Gérard, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Allez. Je vais retourner travailler, mais ça, c'est pour Paul. Alors? Hein, alors quoi? Elle était pas à toi, la photo? Bon, écoute, ça suffit maintenant, hein. Je suis majeur, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ouais, mais t'as pas le droit de trahir le serment qu'on a fait. Mais attends, je trahis rien du tout, là. Non seulement tu trahis, mais en plus tu me mens. Mais non, mais écoute, Pierre... J'écoute rien! De toute façon, franchement, j'ai honte d'être ton frère. Mais dis donc, de quel droit tu me parles sur ce ton, là, oh? De quel droit? Du droit d'aînesse. Je vais te dire un truc, j'ai vraiment l'impression que tu me portes la poisse. Ah, je te porte la poisse? Ouais. Ah bah écoute, ça tombe à pic. Parce que moi, j'ai exactement la même impression. Merci. Après tout ce que j'ai fait pour toi... Alors comme ça, je te porte la poisse. Ah. Bah alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu tentes pas ta chance tout seul, hein? Pourquoi? Mais parce que j'ai pitié de toi! Qu'est-ce que tu peux être naïf, alors? Ah, toi aussi, c'est par pitié. Ouais. Ah oui, non, parce que moi aussi, c'est par pitié. C'est pour ça que je vais rester avec toi. Et maintenant, c'est terminé. Oh là, hey, mais c'est trop tard! Comment ça, c'est trop tard? Parce que moi c'est terminé depuis au moins déjà 10 minutes, un quart d'heure. Bon. Bon, alors, 9e question. Tu vois ton mari ou ton ami à une soirée qui drague une superbe blonde. 1. Tu lui colles une claque. À qui, à lui ou à elle? Ben, je sais pas, c'est pas marqué. Ben, il est nul, ton test. Bon, tu veux le faire ou non? Oui, bon, vas-y. Alors, 2. Tu vas draguer un brun. 3. Tu es déjà en train de draguer un brun. 4. Tu es déjà parti avec le brun. 5. Tu lui tures la langue. Et 6. Tu t'immoles par le feu. Oh. Bon, c'est quoi la réponse où je pars avec le brun? 4. Eh ben, tu mets 4. Bon, alors, 10e question. Youhou! Maman? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vous l'avais bien dit, j'avais une ride! Regardez, là! Fais voir! Fais voir! Oh, mais non, y a rien du tout, pense-tu? Attends, montre-moi ça.
On voit rien du tout, maman, rien. Mais non, je t'assure, maman. Bah, évidemment, j'ai le doigt dessus, approchez-vous. Maman, je t'assure que ta peau est parfaite, tu peux me croire. Bon, ça suffit, les flatteries. Bon, Cindy, on voit rien du tout. Mais si, enfin, regardez. De toute façon, vous n'y connaissez rien. Je sais bien que j'ai besoin d'un nouveau lifting, enfin. Quoi? Oh non, maman, pitié, tu vas pas recommencer. Maman, ma petite maman chérie, t'en as quand même fait un il y a... Bon, il y a 3 mois pas oui. plus. Hein. Ben oui, alors. Bah alors, tu vas pas en faire 4 par an, tout de même. Oh mon Dieu, j'ai oublié que j'avais rendez-vous aux IV. Hein. Ciao les filles. Ciao. Mais écoutez, pour moi, les rides, c'est comme les hommes. Il ne faut surtout pas les laisser s'incruster. Maman, tu vas pas te décider à être un peu raisonnable, un de ces jours? Mais je passais l'âge d'être raisonnable, ma pauvre chérie. Puis c'est pas la peine d'essayer de me convaincre. De toute façon, c'est décidé. Ben voilà, alors c'est comme d'habitude. C'est vrai, de toute façon, tu nous écoutes jamais. Ça, on sait. Quoi qu'on dise, c'est pareil. Oui, évidemment. Parce que vous ne dites que des bêtises. Mais je sais ce que je vais faire, tiens. Je vais prendre rendez-vous pour vous aussi. Rendez-vous pour quoi? Pour vous faire lifter, bien sûr. Quoi? J'ai pas envie de me faire un lifting, moi. Moi non plus, enfin. Ah non, moi non plus, rien que l'idée, je sens que je vais m'évanouir. Mais écoutez, mes chéris, maintenant, ça suffit. Moi, à votre âge, j'en étais déjà à mon 3e mari, à mon 5e lifting. Ah oui, peut-être. Eh bien, pour moi, le lifting, c'est non, maman. Pauvre chérie. Non, mais tu ne te rends pas compte du mal qu'on a à te retrouver un mari? Je vois pas le rapport. Ah ben moi, si. Tu t'imagines dans quelques années, là, avec toutes tes rides? Eh bien, dans quelques années, on verra. Oui, mais dans quelques années, il sera trop tard. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Maman, s'il te plaît. Tu penses pas que ça peut quand même attendre un petit peu, non? Oui, mais c'est ça. Mais rester assis sans rien faire, à attendre. Et vous croyez que c'est comme ça que vous allez trouver à vous remarier? Non, mais maman, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que... Bon, maintenant, ça suffit, à la fin. Là, je prends rendez-vous pour vous. Un point, c'est tout. Je suis votre mère, non? Oui, Sabine. Vous voyez que ça peut l'intéresser? Ça m'étonnerait. Maman, j'espère que t'as remarqué la manière dont elle a pris la poudre d'escampette quand t'as commencé à parler de lifting. De toute façon, Sabine, elle va comme vous. Elle se débrouillera toujours, elle. Non mais oh, oh. Et pourquoi ce serait toi qui garderais l'appartement, hein? Parce que c'est moi qui l'ai trouvé, tiens. C'est toi? Mais c'est moi qui l'ai trouvé, oui. Oh, et qui est-ce qui l'a déniché le premier? Attends, d'accord, c'est toi qui as vu l'annonce dans le journal, mais t'en avais coché 150 et t'as même pas été capable de prendre ton téléphone pour appeler l'agence, alors hein? Bah, évidemment, tu m'avais piqué le numéro. Quoi, je t'avais piqué? De toute façon, si... Non, c'est celui-là. De toute façon, s'il y en a un qui doit rester ici, c'est moi. Ça m'étonnerait, hein. Paul, enfin, réfléchis, comment tu vas faire, toi, pour payer le loyer tout seul, hein? Bah, avec ce que ta femme t'a laissé, hein. Et toi, tu vas faire comment pour payer? Tu t'es fait encore plus plumé que moi par ton divorce. D'accord, tu le prends sur ce temps-là. Eh ben, ok, je te laisse l'appartement. Mais alors, je te préviens, je veux plus jamais te voir. Ouais, rassure-toi, ça sera facile, ça. Et puis, puisque tu t'y attends à l'appartement, je te le laisse. Ah, sûrement pas! Ah non, alors là, si c'est pour me le reprocher dans 20 ans, là, tu te gardes. T'as raison. De toute façon, je reste pas une seconde de plus dans cette maison. Quand je pense que j'ai voulu faire fortune avec ce minable... Rassure-toi, moi, toi aussi, je reste pas une seconde de plus dans cet appartement. De toute façon, il y avait vraiment que toi, hein, pour trouver un truc aussi nul, aussi moche et aussi cher que ça. Ah, bah attends, je croyais que c'était toi qui l'avais trouvé. Oui, alors là, facile, hein, bien sûr. Moi. De toute façon, je vais te dire une chose. Tu me fais pitié. Ouais. Alors, hey, je vais te proposer un truc. J'accepte de faire moitié-moitié avec toi, hein? On paye chacun le loyer. Et on partage chacun une moitié de l'appartement. Ok, d'accord. Mais à une condition. Tu m'adresses plus jamais la parole. Pas de problème. Alors ça marche. Bon, alors on garde chacun notre chambre. L'escalier, c'est une partie commune. Mmh. Mais alors ici, dans cette pièce, de là... jusqu'à... là. Eh bien, cette partie-là, c'est chez toi, et là, c'est chez moi. Et si je veux ce côté-là? Oh, ben tu la prends, cette partie-là. Mais tu choisis, ce côté-là ou ce côté-là, mais tu choisis parce que j'en ai vraiment assez, hein. Bon, très bien, alors écoute... Bon, je garde ce côté-là, hein. Parfait. Arrête, s'il te plaît, là. Tu fais bouger ma moitié de canapé. Hein. Qui a parlé? C'est moi.
Je croyais que je ne devais plus jamais entendre le son de ta voix. Oui, bon, bah alors arrête de faire bouger ma moitié de canapé, ça m'énerve. Quant au pacte, hein, tu sais ce que j'en fais du pacte. Quel pacte? Oh, tu sais très bien. Plus de femmes pendant un an, etc. Mais alors là, mais alors... Mais t'en fais ce que tu veux de ton pacte. Alors là, c'est plus notre problème, ça. Moi, le problème actuel, c'est de respecter le nouveau pacte. Mmh. Hein? Tu frappes avant d'entrer chez moi. Et surtout, je ne veux plus entendre ta voix. Qu'est-ce que tu fais? Je vais à la salle de sport. Ça va me détendre. Ça te dérange? Alors, ce qui me dérange, moi, c'est que tu sois chez moi. Eh non, mais je vais dans ma chambre, là. Oui, bah tu vas dans ta chambre. Chez moi. Oui, très bien. Alors, tu longes les murs, s'il te plaît. Moi, je veux bien te laisser un espace neutre, mais je t'interdis de fouler le sol de mon territoire. D'accord. Tu veux la jouer comme ça? Ok. Et c'est valable aussi quand je suis pas là, hein. Je vous assure, les filles, on n'arrivera pas à la faire changer d'avis. Quand je pense qu'elle a même pris rendez-vous déjà, non mais... Elle ne veut rien entendre. Vous savez, moi, je trouve que maman a quand même un peu raison. Il faut commencer jeune si on veut vraiment que ça marche. Non mais alors, toi, c'est toujours la même chose depuis que t'es petite. Hein. C'est incroyable. Chaque fois que t'as l'occasion de défendre maman, ça, tu manques pas de le faire. Hein. Non, c'est pas vrai. Seulement, quand elle a raison, elle a raison. Oh. Et là, c'est vrai qu'elle a raison. Ah oui. Mm-mm. Eh ben moi, en attendant, je trouve que j'ai encore le temps. Bah excuse-moi, Steph, mais moi aussi. De toute façon, vous oserez même pas lui dire. Oh, alors ça, tu vas voir. Ah oui, alors cette fois-ci, moi, je me laisserai pas faire, je te prie de le croire. Oh, les filles. J'ai une Cindy au téléphone. Mm. Non, c'est vrai, vous allez toutes les trois faire un lifting. Oh, mais c'est génial, vous avez de la chance. À faire un lifting avec sa maman, c'est super. N'importe quoi. On a décidé de pas y aller. Mais pourquoi? Eh ben parce que d'abord, on en a pas besoin. Et ensuite, c'est... Mais ça fait peur, tu te rends pas compte? Ça fait peur. Imagine que ça rate. Mmh. Quoique c'est vrai, parce que moi, j'ai une cliente, après l'opération, ben, elle a la peau du cou qui s'est mise à se dégringoler. Oh, si. Si. Attends, c'est pas fini, le visage. Il s'est décollé. S'il te plaît, Gérard, arrête-toi. Non, mais vous inquiétez pas, les filles. De toute façon, Cindy va trouver un chirurgien génial. Hein. Maman, elle trouve tous les chirurgiens géniaux. Puis en plus, elle a vraiment un problème. Elle adore passer sur le billard. Parce que moi, je comprends pas les filles. Non. Parce que moi, si j'étais une demoiselle, eh ben, je peux vous dire que je me serais déjà tout fait refaire. Hein. Les yeux, le nez, la bouche, tiens. Tout ça? Et pourquoi? T'as vu le truc? T'as vu mes yeux et puis mon nez. Et puis la bouche était énorme. On est tous comme ça dans la famille, c'est pour ça. Gérard. Mais si, c'est vrai. C'est le téléphone qui sonne, ça. Bah ben ça, c'est Monsieur Laplace qui appelle. Hein. Ben, s'il appelle et je suis pas ici, il va croire que j'abandonne sa salle de gym. Vous voulez que je vous dise? Ouais. Même si on se faisait refaire de haut en bas, on resterait toujours de laisser pour compte. Oui, mais on peut quand même essayer. Regardez qui est là. Notre petit Paul. Ah. Et elle s'habille en plus. Non, mais regardez-moi ça, Dachy, regardez-moi ça! Je comprends pas pourquoi elle bouge comme ça. Elle cherche les toilettes ou quoi? Je trouve ça d'un ridicule. Oh là là, tout ça, moi, ça me donne envie de pleurer. Non mais... Non mais je rêve! Elle l'a embarqué! Oh, elle l'a embarqué! Ouais. Super. Alors là... Alors là, s'il comprend pas. Voilà, maintenant je finis mon CV, je le relis et je l'envoie. Alors, bac plus 2. C'est pas terrible, plus 2. Plus 5. Allez, plus 5. 5, plus 5, voilà. Oh, un peu pourquoi pas plus 8? Allez hop, plus 8. Plus 8. Bac plus 8. Oh, ah ouais, alors ça. Ça en jette un max. Tout de suite. Polytechnique. Bah oui, pourquoi pas? Ouais, je suis sûr que je l'aurais eu si je l'avais passé. Polytechnique. Regarde-moi ça, polytechnique. Langue. Eh ben, tout. Je vous en prie. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Sabine. Ah, excusez mon frère, mais là, je crois qu'il est en train de travailler. Ah, excusez-moi. Ah, ouais. Ah, puis alors, quand il travaille, vous savez, il est très concentré. Il faut surtout pas lui adresser la parole. Hein. Je vous en prie, c'est vous. Voilà, voilà. Paul. Hein? Paul, viens voir ici. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? T'as pas le droit. Attends, là, je suis chez moi, hein. Alors tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Hein. Alors, Sabine? Venez vous asseoir vers moi. Ah, avec plaisir. Là, c'est mieux, là. Hein. Comme ça, je suis à vos pieds. J'adore les hommes qui sont à mes pieds. C'est quoi toutes ces choses au milieu de l'appartement? Oh, ça, c'est rien, ça. Ah! Oh, bah alors. Ouais. Alors, ça, c'est une petite lubie de mon frère, ça. Il s'entraîne pour le gym Cana tous les matins. Vous voulez boire quelque chose? Avec plaisir. Du thé, peut-être? Avec le plus grand des plaisirs. Ah, ah, oui, ça aussi, c'est une manie de mon frère, ça. Il supporte pas qu'on passe au-dessus de son gym Cana. Ah, bon. Oui, parce qu'il a eu un accident quand il était petit. Maman? Un accident de landau et tombé sur la tête. Oh, le pauvre! Paul! Bah quoi? T'as qu'à pas écouter aux portes? Bon, je vous emmène. Comme ça, on choisira le thé ensemble. Avec moi. Ça va? Attention, c'est là, voilà. Comme ça, là. Ça fait bien, c'est... Merci. Quand je pense à la manière dont Sabine s'est conduite avec Paul, j'ai honte. Tu sais très bien que Sabine, elle se jette en permanence au cou de tous les garçons. Hein. Moi, quand j'y pense, je trouve ça complètement nul. Oui, mais c'est d'une grande efficacité. Ah. Et mise-la, toi, pendant que tu y es, puisque tu la trouves tellement géniale. J'ai jamais dit ça. Hein. On sait très bien comment tu t'es conduite quand tu es partie au bord de la mer avec elle. Oh. Stéphanie, c'est toi-même qui nous l'as raconté. Ah, on sonne. Ça doit être maman. T'as encore oublié tes clés, maman? Ma chérie, une vraie femme ne sort jamais avec ses clés. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Bon, où sont tes sœurs? Dans la cuisine. Ça, je ne vous comprendrai jamais. Oh. Allons bon, maman. Qu'est-ce qu'on a encore fait? On était simplement en train de cuisiner, maman. Enfin, comment est-ce qu'on peut s'enfermer dans une cuisine quand on a une salle de gym pleine de beaux hommes musclés, là, juste en bas de chez soi? Ça me dépasse. Bon, Sabine n'est pas là? Non, ça, tu vois très bien qu'elle n'est pas là. Ça, j'en étais sûre. C'est pas elle qui serait aussi tourte. Et tu sais où elle est? Elle est chez nos petits voisins, Sabine. En fait, on l'a vu draguer Paul sous nos yeux à la salle de gym et puis elle est repartie avec. Dieu! On a tout vu. C'était absolument répugnant. Vous êtes assez bête pour l'avoir laissé faire sans intervenir. Je crois que tu réalises pas, ma petite maman. Non, si t'avais vu comment Sabine se trémoussait en parlant à son petit Paul. Et mon petit Paul chéri, et mon petit Paul adore. Enfin, c'était d'un ridicule, maman. C'est vrai. Mais tu sais que si tu bougeais toujours comme ça quand tu parles à un homme, tu aurais beaucoup plus de succès. Maman, voyons, mais c'est de vulgaire. Et alors, les hommes adorent ce qui est provoquant. Oui, mais alors, maman, le succès de cette façon-là, non, merci très peu pour moi. Bon, ça, c'est vrai, je dois le reconnaître, j'aime beaucoup Sabine. Oui, ça on sait. Oui, parce qu'elle est quand même beaucoup plus dégourdie que vous. Mais là, la famille avant tout. Pierre et Paul sont pour vous, pour personne d'autre, et il est hors de question qu'il vous file sous le nez. Bon, alors vous venez toutes avec moi. Non, mais attends, maman, là, c'est pas possible. Taisez-vous. Quand les garçons ouvriront leur porte, vous êtes priés de vous trémousser comme Karen vient de le faire. Moi, je fais pas ça. Hein. Non, maman, on va encore se faire jeter. Ça, c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'on sonne, on se fait claquer la porte au nez. Non, moi, ça, je vais pas me trémousser non plus. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ces histoires? On désobéit à sa mère, maintenant? Maman, on en a assez de se faire humilier. Tu peux comprendre ça, non? Il faut souffrir pour être belle. Oh. Et dans la vie, c'est pareil. Il faut souffrir pour réussir. Oui, c'est ça. Nous, on n'arrête pas de souffrir et on réussit rien du tout. Vous venez tout avec moi. Allez. Bon, d'accord, maman, on vient, mais ça ne sert à rien, on te dit. C'est vrai aussi, parce que... En fait, s'ils voulaient vraiment nous inviter, c'est facile, hein. Ils savent comment faire. Maman, c'est sans espoir. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez,
Allez, en avant. Oh, Pierre. Ah, oui, je venais vous inviter à prendre le thé. Sabine. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien, ça doit être mon frère, mais il saura être très discret, je suis sûr. Oui. Sabine! Bonjour, les filles. Entrez. Comment ça, entrez? Tu rigoles ou quoi? C'est déjà fait! C'est gentil de venir nous rendre visite comme ça. Non. Excuse-moi, mon vieux, mais c'est à moi qu'on vient rendre visite. À moi. Excusez-moi, les filles, je pouvais pas savoir que mon frère était là. Hein. Ouais. Ben voilà, vous êtes là comme ça, tous les deux. C'est parfait. N'est-ce pas, les filles? Ah, ben oui, hein, c'est parfait comme ça. Oui, maman, parfait. Non, c'est même. On ne peut plus parfait. Eh ben parfait. Ben écoutez, si vous voulez bien vous donner la peine, c'est par ici, par là. Par ici, par là. Ah, faites pas attention à tout ça, c'est une lubie de mon frère, ça. Les... Oui, il aime bien faire du gymkhana le matin. Vous faites du gymkhana à votre âge? Moi, oui. C'est-à-dire que ça me détend, puis en plus, ça m'aide à garder la forme, quoi. Mais vous laissez traîner ça, comme ça, là, toute la journée? Ouais, ça c'est parce qu'il supporte pas qu'on touche à ses jouets. Vous devriez aider votre frère à ranger. Non, Cindy, vous savez, lui, moins il en fait, mieux il se porte. Ah oui, je vois, oui. Mais vous savez ce qu'il vous manque ici? Non. C'est la main d'une femme. Bon, allez, rangez-moi tout ça. Non, attendez. Enfin, vous ne pouvez pas rester avec un appartement dans cet état. Vous risquez de vous prendre les pieds, là, dans tout ce désordre. Bon, allez, les filles. Allez, on travaille. Oh, non. J'ai dit, on travaille. Non, d'accord, tout de suite. Attendez. Attendez, je vais vous débarrasser, mais... Oh là. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et si on faisait la paix, hein? La paix? La paix. Bonne idée. Allez, hop.